RCF, la joie se partage. Nous sommes à Beaulieu, Roche-la-Molière, pour vous partager un moment extrêmement émouvant, cette messe classique, traditionnelle pour la Sainte-Barbe. Alors on voit d'abord arriver les enfants habillés en costume traditionnel polonais. Pierre, dites-nous. Oui, donc c'est le groupe Sirena, donc c'est un groupe folklorique de Roche-la-Molière et qui nous fait l'honneur de participer toutes les années à cette manifestation. Parce qu'on est dans le quartier, on va dire, voilà. Des Polonais. Voilà, le quartier d'Hippol des Polonais à Roche-la-Molière, c'est la cité de Beaulieu, c'est là où ils sont retrouvés. Et c'est là où il y a encore énormément de tradition, puisqu'il y a une salle polonaise. Et, puis... et voilà la Sainte-Barbe qui arrive avec les... Deux mineurs et deux pompiers. Les mineurs et les pompiers. Puisque c'est la fête des pompiers. Également. Alors voilà des... la Sainte-Barbe, avec évidemment énormément d'émotions. Ce sont souvent des enfants de mineurs ou des parents qui voilà. Portent la Sainte-Barbe. C'est un honneur de porter la Sainte-Barbe. Disons que Roche était une ville de mineurs, donc dans énormément de familles, ben, il y a les petits-fils, les fils, les enfants, etc. Puis on essaye de perdurer la tradition. Formidable. Alors voilà, les sapeurs-pompiers aussi du Berlan, nous les connaissons, nous sommes allés les rencontrer pendant qu'ils étaient au travail, justement. Et puis voilà le chœur. Sirena. Alors un groupe de danse, mais de chant aussi. De chant. Et de musique aussi. Et de musique. Comme on va pouvoir le voir au cours de la messe. Alors il y a l'harmonia qui anime la messe, le début de la messe. Voilà, traditionnellement, donc voilà. Et puis les chœurs de l'ondaine. Et puis, cœur en d'aile, nos amis aussi, qu'on connaît bien et qui vont se joindre. Voilà. Bonjour. Alors, vous venez de la porter, cette Sainte-Barbe? Non, c'est pas moi qui vais la porter. Mais moi, je porte la gerbe. Ah, très bien, avec monsieur le maire? Avec monsieur le maire, oui. Super, merci à vous. Voilà, tout le monde a pris place. Avec évidemment une église de Beaulieu bondée. Et on aperçoit le capitaine Puvel avec ses hommes là-bas, les pompiers. L'association des Gueules Noires. Discours, là, c'est pour M. Mounier, donc, qui est le président de l'association des Gueules Noires et qui est l'organisateur de cette messe de la Sainte-Barbe. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Alors, avec aussi le nom des familles qui ont voulu renouer avec cette tradition, les familles Fayol, Chaumara, Jourjon, Solano, Jasse et Olagnan, voilà. Des gens de chez nous. Voilà. Et qui sont à l'origine aussi de la fameuse statue du mineur. Qu'on ira réinaugurer tout à l'heure. Voilà. Super, merci. C'est la présentation de l'histoire de Sainte-Barbe, voilà. Qui explique pourquoi elle est la patronne des mineurs, des artificiers, des pompiers, de tous ceux qui ont à voir avec le feu de manière... Tout à fait. Et Dieu sait si cette statue au fond de la mine était importante pour les mineurs. On a eu l'occasion d'en parler hier à Saint-Étienne, où c'était aussi la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe avec le traditionnel feu d'artifice et puis le défilé jusqu'au puits. Et on a pu, heureusement qu'on conserve ces traditions. On a pu donner la parole à un ancien mineur qui était descendu à 14 ans au fond. Magnifique, très émouvant.
beaucoup d'émotions pour ce chant d'ouverture. L'église, bien sûr, est recueillie. Nous avons en face de nous les lampes sur les casques des mineurs qui sont allumées. Et puis, ce chant d'entrée. C'est le chœur Andenne qui va maintenant nous aider à partager cette préparation pénitentielle. Kyrie eleison.
Une préparation pénitentielle en polonais d'abord, puis ensuite en français. Le chœur Onden nous a fait prier cette préparation pénitentielle avec la Gospel Mass de Jacob de Hanne. C'est maintenant la liturgie de la parole et la première lecture extrait du livre d'Isaïe. Et c'est un mineur, quelqu'un en tenue de mineur, casque sur le front, lumière allumée, qui fait cette lecture, évidemment dans un silence religieux. Nous allons maintenant chanter le psaume 79. Cette église de Beaulieu est très belle, lumineuse, extrêmement simple, avec derrière nous un petit orgue qui soutient la prière de chacun.
Voici maintenant la deuxième lecture, une lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Nous nous levons bien sûr tous pour cette acclamation de l'Évangile. Magnifique Alléluia du cœur de Landen. C'est l'évangile de saint Marc, le premier dimanche de l'Avent, autour du thème de veiller. C'est maintenant le temps de l'homélie. Harmonia. Le groupe de Roche-la-Molière. Spoussienné Nam, je ne sais si je prononce bien le polonais. Voilà, Pierre,
comme moi, on ne sait pas exactement comment ça se prononce. Mais le cœur y est. Voilà. Alors, harmonia, donc c'est une harmonie polonaise et qui date des origines de l'arrivée des Polonais en France. C'est-à-dire il y est dans la cité de Beaulieu. On a fêté, il y a les 100 ans. Les 100 ans, voilà, 1921, ils sont arrivés, je crois. Oui, oui. Quelle émotion. Alors devant nous, les enfants de français bien sûr, mais qui gardent leurs racines. On apprend le polonais, on a des contacts avec évidemment la Pologne, des échanges. Cette église a été complètement rénovée. Vous voyez comme elle est claire, comme elle est belle, par le travail de la communauté, bien sûr, et puis l'aide de tous les Rouchons et Rouchonnes fiers de leurs racines et qui ont accueilli avec générosité ces immigrés polonais qui sont maintenant tellement de chez nous. Quel symbole dans la nef, le cœur ondaine, venu de Firmini, où là aussi la Sainte Barbe a été très largement fêtée. Sur notre droite, Sirena, avec les enfants et les adultes qui maintiennent les chants, les danses traditionnelles. C'est le père Andrés Sovoski qui est à Roche-la-Molière depuis maintenant 3 ans, je crois. Le père Sovoski est là depuis 3 ans, il me semble. Oui, ça fait à peu près 2 ans qu'il est là. Et qui est bien sûr bien intégré dans l'équipe pastorale de Notre-Dame de Liseron, évidemment, mais affecté plus particulièrement à cette église. Voilà, il est vicaire de la paroisse et il est en charge de la communauté polonaise. Gracias.
Très émouvante Amélie du père André Sosky.
C'est le temps du credo. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en vous, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est le moment de la prière universelle. Émouvant cette prière universelle. Le texte est lu par des hommes de chez nous en tenue de mineur. Les chants, le refrain est soutenu par Elisabeth de la communauté paroissiale de Notre-Dame de Liseron et Geneviève, la chef de chœur andaine. Une intention maintenant en polonais. C'est le chœur Sirena maintenant que nous allons entendre.
Après cet Alléluia en polonais, eh bien c'est l'Alléluia de Leonard Cohen, joué magnifiquement, bien sûr, par Harmonia. Et puis la procession des offrandes. C'est les pompiers qui ont fait la quête. Génial. Je vous quitte 2 minutes. Ce qu'il y a peut-être de plus émouvant, c'est le mélange des générations. Parce qu'évidemment, la mine, c'est une épopée qui est maintenant terminée depuis longtemps. Mais quand on voit le chœur Sirena, par exemple, ou bien l'Harmonia, ou bien, bien sûr, le chœur Anden, c'est le mélange des générations. Les enfants, les ados, les adultes, des personnes un petit peu plus âgées, tout le monde participe, tout le monde chante et apporte avec fierté ses couleurs de ses origines. Thank you.
Amen.
c'est le temps maintenant du Notre Père. Et le voilà maintenant, le Notre Père en polonais. Boże wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. La News Dei est dans la version proposée par le Chœur Andem. Après ce très beau moment du Notre Père en français et en polonais. Le batteur de Harmonia qui renforce la section rythmique du Chœur Andem. Oh,
je ne suis pas digne de te recevoir. Tout va bien. Oui, oui, oui. C'est magnifique. On est heureux d'être là. Sirena. Et puis
l'harmonia maintenant pour accompagner cette procession de communion. L'Ave Maria de Gounod, par l'harmonia. Émouvant, les musiciens jouent et viennent communier en même temps, ça pose aucun problème.
ce qu'elle va dire. Alors Pierre, c'est un moment émouvant. C'est un moment très émouvant. Texte magnifique. Moins. Les Polonais, ils étaient 10, ils étaient 100. Ils étaient des milliers à quitter leur pays, à s'expatrier. Certains n'avaient pour ce voyage qu'une vieille valise pour tout bagage. Et puis, le texte se termine. Ils ont légué à leurs enfants leur culture, leurs sentiments, leur joie de vivre et leurs chansons. Beaucoup, hélas, ne le voient plus parti pour ce voyage dont on ne revient plus. Mais ils peuvent être fiers et regarder du haut du ciel que leurs efforts ne furent pas vains, que leur histoire n'a pas de fin, que nous sommes là, sur cette terre de France, pays d'accueil et d'espérance, pour tout, pour continuer ce qu'ils ont fait, nos chers parents.
Alors, c'est l'annonce de la collecte de ces boîtes de Noël. Chaque année, une belle tradition dans votre paroisse. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit que les personnes, les paroissiens et toute personne mettent à l'intérieur d'une boîte. Alors, souvent, c'est un carton à chaussures, ça va voilà, très bien. Souvent, c'est une carton à chaussures, au contraire. Et on met dedans une petite friandise, quelque chose qui puisse tenir chaud, par exemple un gant, une petite écharpe, un mot, et puis un petit jouet pour les enfants. Puis on met sur la boîte si c'est plus destiné à un homme, une dame ou un enfant. Puis on fait le week-end prochain, il y a une grande vente de livres, de 9 et 10, de livres d'occasion. J'ai vu qu'il y avait 4000 livres. Plus de 4000 livres qui sont, premier prix 1 euro, donc c'est des prix modiques. Et le bénéfice de, disons, la recette servira à faire le jour du 31 réveillon solidaire avec toutes les personnes qui sont seules, donc à la maison Sainte-Anne. C'est la vie de la paroisse, cette paroisse, où bien sûr nous sommes ici chez nos frères polonais, qui accueille très largement évidemment tout le monde, et puis qui est si dynamique, cette paroisse Notre-Dame de Liseron. Et le père Sawicki prononce des mots en polonais. Là, c'est l'heure des remerciements, et c'est l'heure des remerciements aussi pour nous, pour nos amis de Sirena, pour nos amis d'Harmonia. Et nous, on va gagner le fond de l'église pour suivre donc cette procession. Voilà, alors nous aurons, vous l'avez entendu tout à l'heure, Vous voyez cette église qui est magnifique, qui a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça par la communauté polonaise. Donc c'est la fin, et vous voyez ce magnifique... cette icône magnifique. Thank you.
Alors, vous voyez cette ambiance vraiment très étonnante après cette célébration. J'en profite pour remercier Jean-Marc, mon voisin et réalisateur fidèle, et puis tous les amis qu'on a croisés, les sourires, les visages, les amitiés créées au fil du temps. Et ce lieu est cette église Saint-André de Beaulieu. Nous allons suivre cette procession finale avec l'inauguration de la statue du mineur rénovée. Et le chant des corons que tout le monde va pouvoir reprendre, bien sûr. Je crois que c'est deux. Cœur ondaine, Sirena, l'harmonia de Beaulieu, unis pour ce chant final qui nous vient du Nord, mais qui est l'hymne maintenant de tous ceux qui veulent rendre hommage à ce passé qui est bien vivant encore aujourd'hui dans la transmission des traditions et surtout la transmission des valeurs que représente cette solidarité, cette fraternité, cet accueil de l'étranger aussi. Il y a 100 ans, les Polonais ont émigré tous ensemble pour venir s'installer chez nous, travailler, contribuer au développement de notre pays. Ils sont maintenant bien intégrés, mais maintenir ces traditions, c'est vital pour notre avenir à tous. Alors maintenant, ça va être la traditionnelle remise des brioches, Jean-Marc. Remise des brioches, c'est comme ça qu'on termine en principe la Sainte-Barbe, hein, donc la sortie donc, de l'Assemblée. Et puis pour récupérer leur petit morceau de brioche. Et puis après, donc, on se donne rendez-vous pour l'inauguration de cette statue qui a été remise en état. On se rappelle, il y a quelques semaines, elle a été malheureusement dégradée. Et aujourd'hui, c'est la renaissance, on peut dire, de cette statue. Alors c'est vrai que quand on est venu, elle est empaquetée. elle est bien au chaud. Et puis tout le monde va... Allez, voilà la... Le défilé qui commence avec, bien sûr, les pompiers qui portent les brioches. Et les voilà. Et les jeunes sapeurs-pompiers, certainement en formation ou sapeurs-pompiers bénévoles. Et voilà, avec des sourires. Et des applaudissements, bien sûr. Allez, on va attendre tranquillement la sortie de la Sainte-Barbe. Nous allons retrouver évidemment Fernand Fraisse. On va retrouver Fernand, donc le mineur emblématique d'ici, enfin de Rochambeau, mais de Saint-Étienne, de la Loire, parce que tout le monde le connaît, Fernand. On le connaît bien tous les cas sur RCF, nous. Et tout le monde le connaît. Voilà donc la sortie de la messe. Et voilà que quelques, bien sûr. Quelques brioches supplémentaires parce qu'on est extrêmement nombreux. Et voilà la,
la Sainte Barbe, précédée de la traditionnelle gerbe de fleurs, bien sûr, portée par les autorités, par le maire de Roche-la-Molière, Éric Berlivet, et puis aussi par d'anciens mineurs, d'anciens travailleurs. Alors, des Saintes Barbes, eh ben, il y en a eu tout autour de nous hier. Il y en a eu à Saint-Étienne, bien sûr, nous y étions. C'était pas mal, hein, quand même. C'était très, très bien dans le froid. Dans le froid, c'était, bah, comme d'habitude, la Sainte Barbe reste une fête unique, en tous les cas, pour le bassin stéphanois et puis aux alentours de Saint-Étienne. Et puis, bien sûr, on pense à nos amis du Nord qui, eux, la fête, puisque beaucoup de mines étaient bah, dans le Nord de la France. Allez, on voit la Sainte Barbe arriver. Voilà, la Sainte Barbe arrive. C'est la Sainte Barbe de Roche-la-Molière avec le père Sovicki. Alors, avec la lampe, bien sûr, des mineurs et puis des pompiers. À nos gueules noires, l'association qui a remis il y a 30 ans, et puis les drapeaux. Drapeaux des pompiers, les drapeaux de l'Harmonia. Et Fernand Fraisse avec sa Légion d'honneur. Fernand, génial Fernand, trop heureux de te retrouver avec nous. Voilà, les élus, bien sûr, tous unis derrière la Sainte-Barbe. Alors, on salue évidemment beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qu'on connaît, et puis la foule, tout simplement, des Rougeons, des habitants du quartier, et plus largement des familles. Alors voilà, arrive la délégation des pompiers avec le capitaine Puvel que nous avions interviewé avec ses hommes et ses femmes lorsque nous étions allés à la caserne du Berland. Cet été, les voilà qui arrivent, voilà, le capitaine, et puis avec les casques des pompiers, parce que le père Sovicki l'a souligné, la Sainte-Barbe, c'est la fête des gens qui vivent le danger et qui nous protègent, bien sûr. Alors on ira bien sûr tout à l'heure dehors, surtout que le soleil est de la partie. Dieu sait s'il faisait froid, mais le soleil va réchauffer tout le monde pour cette belle Sainte-Barbe. Voilà nos collègues pompiers qui arrivent derrière le capitaine, chef du corps. On nous a appris d'ailleurs qu'il allait quitter Roche-la-Molière et le Berland dans quelques temps. Voilà, mais tout le monde se retrouve. Alors évidemment, la foule était, il y avait des centaines et des centaines de personnes de tous âges. On retrouvera, on va faire un petit coucou à nos amis pompiers, puis on va sortir maintenant. On va sortir, on fait un petit coucou à nos amis pompiers, puis on se retrouve d'ici quelques minutes dehors. Dehors, pour suivre le défilé jusqu'à la statue du mineur qu'on va inaugurer. Réinaugurer, on va dire ça comme ça. On est heureux de vous retrouver, capitaine. Alors, c'est un grand moment pour vous et puis pour tous vos hommes et vos femmes. On les a bien salués aussi. C'était une pompière, d'ailleurs, qui portait la Sainte-Barbe. Oui, tout à fait. Ouais. On a une nouvelle recrue qui portait la Sainte-Barbe, c'est vrai. Cette année encore. Et pour vous, c'est un moment très émouvant, sans doute. Pour moi, c'est très émouvant, d'autant que ça sera la dernière en tant que chef de centre. Donc on a appris que vous partiez à Montbrison. Tout à fait, en chef de compagnie Ouest Forêt et chef de centre de Montbrison. Voilà. Super, et ben on aura l'occasion de vous retrouver là-bas. Merci à vous. Au revoir. RCF, la joie se partage.